Vladimir Jankélévitch disait « Je ne suis pas très sûr que la philosophie morale que j'enseigne soit encore un sujet de cours en l'an 2000. » De fait, et malheureusement, nous pouvons dire maintenant qu'il avait raison. L'histoire des idées ne manque pas d'ironie, puisque peu de gens, finalement, écoutent encore la voix du philosophe qui a consacré des pages pourtant inoubliables à la méconnaissance et aux malentendus. Peut-être est-ce le prix à payer pour n'avoir pas voulu de son vivant s'occuper de sa postérité, pour s'être moqué du guignol philosophique où le désir et la gloire de paraître sont roi et reine. Mais peut-être cela tient-il plus profondément encore au fait que sa morale n'est pas un décalogue ou un catalogue, mais plutôt la recherche perpétuelle et inaboutie du geste moral, du geste gratuit, du je ne sais quoi, du don qui n'est pas un échange. La morale ne repose pas sur des principes, mais sur des étincelles, aussi lumineuses qu'insaisissables. À quel moment, se demandait-il, à quel instant agissons-nous sans faire le calcul sordide de ce que nos actes doivent nous rapporter? Ces instants irréfléchis, aussi rares que le diamant, aussi brefs que l'intervalle, constituent la substance fuyante de la morale de Jankélévitch et fondent la critique impitoyable qu'il fait des donneurs de leçons, des professionnels de l'austérité, des rentiers de la vertu qui tombent en extase devant leur propre dénuement, ceux qui ne deviennent pauvres que pour faire commerce de leur pauvreté et qui se regardent faire en se félicitant d'être si parfaits. Ainsi, par exemple, quand Jankélévitch fait l'éloge du mensonge, c'est au nom de la sincérité, puisqu'il déteste l'hypocrisie de ceux qui se flattent de dire toujours la vérité. Le traité des vertus n'est donc pas un manuel clé en main, mais au sens propre un essai, une tentative de sincérité. Le lecteur d'ailleurs chercherait vainement dans ces 1500 pages ce qu'il faut faire pour être moral, car Vladimir Jankélévitch n'avait pas de théorie de la morale, mais bien une pratique immanente, singulière de la vertu. Le philosophe n'avait pas de disciples, mais il avait des amis. Il n'avait pas de cours, mais il avait un cercle. Et ce cercle était composé d'êtres avisés que, pour le suivre, il suffisait en somme d'être fidèle à soi-même. Dans cet univers, il y avait vous, Michel Ledeuf, philosophe, directrice de recherche au CNRS. J'ajoute que vous êtes l'auteur d'un ouvrage important, intitulé « Le sexe du savoir », publié chez Aubier. Il y avait vous aussi, Clément Rosset, philosophe, auteur de nombreux ouvrages décisifs, et que je remercie de venir pour la deuxième fois nous parler de votre amitié avec Jankélévitch. Quant à vous, Isabelle de Montmolin, vous n'en faisiez pas partie, mais vous avez publié en l'an 2000 aux presses universitaires de France un livre nécessaire, naturellement, intitulé « La philosophie de Vladimir Jankélévitch » et qui est, à ce jour, la seule tentative d'interprétation globale de sa pensée. Ce qui est vrai, c'est que, enfin, je suis pas le seul, d'ailleurs, nous sommes quelques-uns à souffrir beaucoup de la sécheresse contemporaine. S'il y a un mot qui s'applique bien à tous ceux qui nous entourent, à la vie, au monde dans lequel nous sommes plongés, aux hommes à qui nous avons affaire, c'est leur morosité, le terme qu'on emploie depuis un an, mais que j'emploie depuis bien longtemps, d'ailleurs, et qui caractérise notre époque, est la sécheresse. La sécheresse, une sécheresse désespérante. Nos contemporains sont secs comme l'Arabie. Comme le Sahara, parce qu'on va me faire des allusions, là, il n'y en a pas, comme le Sahara. Et à cet égard, bon, je veux bien admettre que je suis pour une morale qui parle d'un peu plus au cœur. J'essaye de m'adresser, moi aussi, au cœur de mes contemporains, mais sans trouver le chemin de ce cœur, d'ailleurs, sans trouver audience auprès d'eux. Enfin, celui qui trouverait le chemin des cœurs ferait beaucoup pour son époque. Si on pensait que l'innocence est le fruit d'un exercice, d'un apprentissage, d'une habitude, comme on s'habitue à battre des records, on pourrait penser que l'homme s'améliorera. Oh, il ne s'améliore pas, il ne peut pas le faire, et l'innocence elle-même est une créature de l'instant, qui ne dure qu'un instant. Nous ne sommes nous-mêmes innocents dans un instant, n'est-ce pas ? Personne n'est innocent, et dans l'instant même où on pense qu'on pourrait l'être, eh bien l'innocence s'est écrasée en complaisance. La philosophie de Jankélévitch se résume en un mot, comme la philosophie que développe Diotime dans Le Banquet. L'importance est d'aimer. Robert Maggiori. C'est-à-dire de se lancer dans cette aventure, dans cette futurition, disait Jankélévitch, de faire que autrui vaut plus que moi. C'est-à-dire, et donc de donner ma vie à autrui. Donc il faut aimer, pas être aimé. Tous les crétins savent être aimé. Il suffit d'être là. D'être aimable,
c'est-à-dire de mettre en évidence un certain nombre de vertus, mais dans ce cas-là, on suscite une réaction amateuriale de celui qui sélectionne. Cette fille-là, je l'aime bien parce qu'elle a des yeux bleus. Celle-là, je l'aime pas beaucoup parce qu'elle a les cheveux courts. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle a les cheveux bruns ou elle a des mèches ou je sais pas quoi. Et il y a effectivement une sélection. Et la sélection, elle est très rationnelle. Il y a des critères, mais pas l'élection. L'élection qui est donc totale. Je crois que vous avez à la fois posé la question et fait la réponse. En effet, le propre de l'obligation morale, c'est de se justifier elle-même, c'est de ne pas s'adosser elle-même à quelque chose d'autre qui la rendrait hypothétique et qui nous obligerait à trouver un autre fondement pour elle, dès l'instant qu'il s'agit des valeurs, enfin de la justice, de la vérité, et tout le reste. Ces mots qui deviennent un peu comiques aujourd'hui, mais auxquels nous tenons tellement, parce qu'on se fait tuer pour eux, eh bien, il semble que c'est une justification suffisante. Si on doit faire un peu de bien, eh bien, on ne se pose pas la question. Hier même, j'ai expliqué pour mes étudiants d'agrégation un texte du Ménon, dans lequel de Platon, d'après lequel il semblait râler de soi que la recherche de la vérité était une recherche morale. Lorsque la vérité est la vérité, il ne s'ensuit pas qu'il faille la chercher. Par exemple, lorsque les mathématiques sont la vérité, s'ensuit-il que je dois faire des mathématiques ? Ça n'est pas évident. Alors pour un grec, au contraire, la vérité en elle-même demande à être réalisée, elle demande à être accomplie, et par conséquent, elle comporte immédiatement un devoir sans qu'il faille passer de l'un à l'autre. N'est-ce pas ? C'est immédiat. Elle a une signification drastique. Eh bien, telle est peut-être, et plus encore, l'obligation morale. Finalement, la morale, il faut l'accomplir tous les jours. La seule chose, le seul mouvement dans notre cœur qui, à la fois, soit un devoir et une obligation morale et qui, en même temps, ressemble à cette vertu et qui existe et qu'on peut montrer, qu'on peut décrire, et quand il continue d'être sincère, c'est l'amour. Seulement à condition que l'amour n'ait pas conscience de soi. Donc l'écueil, c'est la conscience. Or, c'est un problème très difficile, un problème acrobatique. Comment décrire quelque chose dont il est interdit de prendre conscience ? Et en même temps, si j'en prends conscience, ce mouvement tourne en complaisance, en attitude esthétisante. Par conséquent, il n'y a de vertu que de l'instant, d'une minute, d'un millionième de seconde, le temps de l'innocence, d'où le titre du troisième volume. C'est l'innocence qui est la vertu des vertus. C'est dans l'innocence, dans l'instant de l'innocence, pendant que je m'en aperçois pas encore, qu'on me l'a pas fait remarquer, que j'ai pas eu le temps de m'y complaire. Mais c'est une tâche presque surhumaine. Comment peut-on, n'est-ce pas, être sincère en ce sens? La minute d'après, je me suis aperçu que j'étais sincère. Je suis moi-même, je fonds d'admiration pour ma propre sincérité, et j'ai beau faire, je pose de nouveau pour les photographes. Alors il y a donc cet instant précieux qui, donc, sur le chronomètre, ne dure pas longtemps, mais qui est l'essentiel, comme toutes les choses très importantes, les plus importantes de la vie, elles sont brevissimes. L'important, c'est d'aimer. Aimer, en somme, compte plus qu'être aimé, chez Jean Kelevitch. Oh, je dirais même que c'est incommensurable et que ça n'a rien à voir. Aimer est quelque chose qui se passe sur un plan fondamental, essentiel de la vie, tandis que être aimé, c'est du superficiel, c'est du contingent, c'est un peu n'importe quoi. Là, Robert Maggiori vient de l'expliquer tout à fait bien. N'importe quel crétin peut être aimé. En plus, quand Vladimir dit « l'essentiel, c'est d'aimer », quand il valorise la question du cœur, la question du mouvement spontané et de l'innocence qui, dans l'instant, s'exprime, il dit des choses qui, pour moi, rappellent la personne qu'il était. C'est-à-dire que à des années de distance, tandis qu'il nous manque depuis maintenant 18 ans, de quoi se souvient-on ? Eh bien, on se souvient du Vladimir au quotidien qui, de temps en temps, sortait quelque chose, qui était un mouvement spontané, direct, vrai,
très très juste. Écoutez, ma plus grande dette, à son égard je crois, vient d'un mouvement comme ça. Quand je lui ai proposé un sujet de maîtrise, j'étais une toute jeune étudiante, il a réagi en me disant « Ah ben, je n'y connais rien, donc comme ça vous m'apprendrez quelque chose ». J'en étais sidérée, parce que c'est une attitude anti-mandarinale au possible de réagir comme ça. Mais c'était la personne qui s'exprimait vraiment dans un mot pareil, dans une phrase pareille, et il était non seulement totalement sincère, mais il était grandiose dans sa modestie, puisqu'au fond, il m'annonçait qu'il me donnait ma liberté, qu'il me mettait la bride sur le cou, qu'il n'y aurait pas de contrôle d'en haut sur ce que je pourrais dire. Il m'invitait, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, à être fidèle à moi-même et à me débrouiller pour être moi-même, ce qui n'est pas si simple. Mais c'était, si je peux employer un langage spiritualiste, c'était le mouvement d'une âme. Et aujourd'hui, quand je pense à lui, c'est à des instants comme ça que je pense, et qui sont restés des souvenirs très très vifs. Isabelle de Montmolin, vous n'avez pas eu le privilège de travailler avec Vladimir Jankélévitch, mais en revanche, vous avez beaucoup travaillé sur lui. Est-ce que vous retrouvez dans sa morale, et dans cette indexation, si j'ose dire, de la morale sur l'amour, les éléments de vie que racontait Michel Le Deuf ? Hélas, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Vladimir Jankélévitch, mais je crois que la spécificité de sa pensée est d'être une pensée extrêmement rayonnante. En fait, Jankélévitch est présent dans toutes ses phrases, dans tous ses écrits. Je crois que le fait de le lire est d'une certaine façon le connaître. Contre la sécheresse, voilà, c'est une philosophie qui s'oppose à la sécheresse. En ce sens, c'est une philosophie très peu actuelle. Notre monde est un monde froid, sec, un monde de l'apparence. L'apparence est l'anti-amour. Quand on pense à Jankélévitch, on doit utiliser des termes qu'il utilisait très souvent, des termes indéfinissables, mais très important dans sa pensée, comme sans doute dans la vie de chacun, des mots comme âme, amour même, on ne parle que de sexe aujourd'hui, mais enfin amour, cœur. Et il est vrai qu'on peut résumer sa pensée en ces mots de Saint-Augustin, sa pensée non seulement morale, mais toute sa pensée, parce que la morale est le centre de sa philosophie. Et le centre de sa morale est l'amour. Il y a des cercles concentriques, en quelque sorte. Alors, au fond, si on a compris ce mot de Saint-Augustin, « aime et fait ce que voudra », eh bien, je crois qu'on est déjà prêt d'entrer dans la pensée de Jankélévitch. Autrement dit, l'amour est au cœur de la morale de Jankélévitch. Il y a un mythe grec qui, d'une certaine manière, peut expliquer tout ça en 2 minutes. C'est Orphée et Eurydice. Orphée descend aux enfers chercher Eurydice. Il la ramène, il est sur le point de la ramener à la lumière. Il commet l'erreur de se retourner pour la regarder. Et à ce moment-là, elle dégringole de nouveau en enfer. Il ne faut pas chercher à savoir pourquoi on aime quelqu'un. Il ne faut pas se retourner sur son propre bonheur. Il faut laisser dans l'ignorance les choses les plus fondamentales. Et je crois que Jankélévitch, c'est Orphée, mais un Orphée qui a su ne pas chercher à disséquer sa relation à Eurydice, ni même à regarder Eurydice. Pour être Orphée, il n'en est pas moins homme. J'imagine qu'il s'est lui-même regardé, déclamant la nécessité de ne pas le faire. Qu'en pensez-vous ? Le passage que nous venons d'entendre indique bien que l'instant d'après, zut, on se retourne sur soi-même, on s'aperçoit qu'on pourrait être très facilement le cabotin de sa propre action. On se dit qu'on pourrait se pasticher, on se sent mal, donc on pense à autre chose. Mais alors justement, il dit, l'écueil, c'est la conscience. Dans la mesure où la conscience nous invite, en définitive, à nous regarder faire. Est-ce qu'on peut identifier, selon vous, la conscience à la bonne conscience ? La bonne conscience qu'on se donne quand on accomplit, par exemple, une bonne action, Isabelle de Montmolin. Si toute sa pensée est orientée du côté
de l'innocence, l'innocence qu'on peut comprendre comme l'intériorité de l'enfance qu'on recèle tous au fond de nous. Ben, l'innocence est fondamentalement consciente. Jean Kelevitch, quand il parle de l'innocence, parle essentiellement d'une innocence qui est présence d'esprit. Donc présence à l'autre, présence aux choses. C'est une innocence qui peut être très savante, très, très cultivée. Il suffit de penser à Jean Kelevitch lui-même, qui était un grand homme de culture. Simplement, l'innocence s'oppose à toute la, en disant en quelque sorte, à toute la complaisance caractéristique de notre époque. Notre époque est une époque qui se regarde vivre, qui est tout orientée vers son propre nombril. L'individu vit pour soi, chacun ne pense qu'à soi, ne regarde que soi-même. Voilà qui est très anti-Jean Kelevitchien. Alors, la conscience, bien sûr que toute sa pensée est une pensée. Au contraire, sa philosophie est une philosophie de l'extrême conscience. Mais pas de la conscience de soi, à ce moment-là. De la conscience, d'une conscience délivrée de soi. L'office de l'amour, en quelque sorte, parce qu'on oublie souvent de le dire. Il faut lire pour cette raison le troisième tome des Vertus. En réalité, l'amour a tout de même un office, en dehors de lui-même, de lui en tant qu'amour, c'est de permettre au sujet de retrouver son innocence et sa vérité. Notre innocence est notre seule vérité, dit Jean Kelevitch. Dans votre ouvrage, vous avez intitulé l'un de vos chapitres « Une destination, l'enfance ». C'est-à-dire Écoutez, un chapitre très... C'est paradoxal, comment l'enfance peut-elle être une destination puisqu'elle est derrière nous, elle a eu lieu. En quoi l'enfance est-elle un but ? Je pense que l'enfance nous travaille beaucoup aujourd'hui. Elle a travaillé beaucoup de poètes, d'artistes, de philosophes aussi. Un philosophe comme Bachelard parle aussi de l'enfance. Nietzsche en parlait déjà. L'enfance, c'est en quelque sorte le vrai regard que nous avons au fond de nous-mêmes. Un regard sans écran interposé, sans morale courte, sans idée préconçue. C'est le regard qu'on devrait retrouver au fond de soi et qu'on ne retrouve que par instant dans l'ordinaire de la vie courante. Mais on oublie quelque chose fréquemment en parlant de Jean Kelevitch. Il a tout de même écrit un traité des vertus. Et lorsque Jean Kelevitch parle de vertu, même s'il est le philosophe par excellence de l'insaisissable, du presque rien, du je ne sais quoi, de l'instant, il est question d'une vie nouvelle, comme chez Dante. En réalité, la philosophie de Jean Kelevitch est totalement orientée du côté d'une vita nova, comme la nouvelle vie, la vita nova dont parlait Dante. Sous l'effet de son amour pour Béatrice, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que l'amour est le seul guide, c'est l'amour dont parle Jean Kelevitch n'est pas un amour abstrait. Toute sa pensée est orientée dans l'affection d'un amour bien réel, celui du je et du tu, de moi et de l'autre, enfin, de moi et de la personne que j'aime. À partir de cette base, une nouvelle vie peut commencer, en quelque sorte. Une nouvelle vie, c'est peut-être beaucoup dire, dans la mesure où lui-même parle de cet instant de l'innocence. C'est assez étrange d'ailleurs, parce que ça lui ressemble assez peu. Finalement, il mesure cet instant de l'innocence. Il parle d'un millionième de seconde. Enfin, un millionième de seconde, on est déjà dans le temps. C'est déjà trop longtemps. L'étincelle dure moins que ça. L'étincelle ne dure pas. J'ai retrouvé dans le je ne sais quoi et le presque rien cette phrase de lui, il dit « La sincérité minute peut être pure et innocente. L'éclair de sincérité, mouvement furtif de l'âme, apparaît et disparaît plus vite qu'une étoile filante dans le ciel noir. » Autrement dit, la morale induit, d'abord ne se présente que par instant, et induit une espèce de saut qualitatif brusque, avant peut-être de déchoir de nouveau dans la torpeur de la vie quotidienne. Michel ? Je ne sais plus où il y a une formule, peut-être était-ce dans un cours en fait, sur « il faut faire le bien, séance tenante ». Il n'y a pas que l'instantanéité de l'acte moral, il y a aussi l'urgence et les deux vont ensemble. C'est-à-dire une situation arrive, il faut être capable de faire le bien tout de suite. Et bien sûr, cela ne durera pas très longtemps. En même temps, cette philosophie ne contredit en rien l'idée d'une action construite, réfléchie. Après tout, quand on passe 4 ans dans la clandestinité
pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne s'agit pas d'instant, il ne s'agit pas simplement d'avoir un mouvement du cœur une fois, et puis ensuite ce serait terminé. Non, là il faut tenir sur la durée, et il faut tenir des engagements. Donc il ne faudrait pas imaginer que cette philosophie ne laisse pas de place du tout à un engagement, disons, dans l'histoire et contre la violence de l'histoire, qui soit un engagement construit, réfléchi, pensé, avec le risque quotidien. Et là, on risque tout sauf de tomber dans la parodie, puisque tout à l'heure on parlait de ce problème de devenir le cabotin de soi-même. Bon, pendant les 4 ans de résistance, il y avait tous les risques possibles, mais pas celui-là. Parce que justement, il y avait tous les autres. Et que personne ne pouvait jouer à être le héros national dans l'ombre. Ça n'était pas possible. La méchanceté, je crois qu'elle existe, c'est pas contre tous ceux qui disent qu'elle la considère comme inexistante, considère qu'elle est une maladie ou qu'elle est simplement un défaut de savoir, comme le faisait Socrate jadis. Je pense qu'il y a des méchants. Et vraiment, lorsqu'on a épuisé toutes les explications du comportement de quelqu'un et que on voit que ce comportement ne s'explique ni par l'absence de lucidité, il est au contraire parfaitement lucide, ni par l'hérédité, son hérédité est intacte, ni par sa santé est très bonne, ni par ses nerfs, il n'a jamais été soigné pour ses nerfs, il ne souffre d'aucune affection pathologique ni autre, ni par quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Eh bien, ce comportement ne peut s'expliquer que par la méchanceté. La méchanceté est une limite, n'est-ce pas, au sens phénoménologique du mot, c'est-à-dire qu'elle n'est pas palpable. Rien dans la méchanceté n'est positivement méchant, et pourtant cet homme est méchant. Je vous prends à témoin que cet homme est méchant. C'est du Victor Hugo, je crois. Non, c'est l'aigle du casque. Eh bien, je prends à témoin à mon époque que certains hommes sont méchants et que leur comportement ne s'explique par rien d'autre que par la méchanceté. Le mal s'applique non pas à la chose que l'on veut, mais à la qualité du vouloir, à la qualité de la volonté. Certaines perversités qui est faite dans la lucidité, en pleine connaissance de cause, à bon escient, en appliquant tous les critères l'un après l'autre, qu'il y a toutes les circonstances atténuantes possibles et imaginables que vous invoqueriez l'une après l'autre pour atténuer cette méchanceté, eh bien aucune n'est valable. Alors que dire ? Rien d'autre, sinon qu'à la limite, à l'horizon, en quelque sorte, il y a quelque chose d'inatteigible, de diabolique, n'est-ce pas, qui s'appelle la méchanceté, comme inversement, il y a également la bonté, qui est elle-même inatteigible. On ne peut pas dire en quoi elle consiste, on ne peut pas la toucher du doigt, elle est aussi un je ne sais quoi, mais elle est irréductible, indéductible, irréductible. Parce que l'un des paradoxes de la morale, comme le dit Jean Kelevitch, c'est que la morale se révèle sous forme négative, au sens où je n'ai jamais conscience de faire le bien. Parce que si je fais le bien, et si je le sais, et si j'en suis fier, c'est pas le bien. Par conséquent, je ne suis jamais sûr de faire le bien, mais je suis sûr de faire le mal, d'avoir fait le mal. Le mal, c'est peut-être le manque d'amour, tout simplement. Si par hasard, le mal, c'était le manque d'amour, la sécheresse, l'impossibilité d'aimer et une tendance à haïr autrui, n'est-ce pas ? Alors, le problème est dans la solution et dans la question, n'est-ce pas ? Il n'y a pas donc à dresser contre le mal quelque chose d'autre, comme on dresse les sérums ou là où on emploie les vaccins contre les maladies, ou les antitoxines contre les toxines. Mais la solution serait dans une conversion intérieure de la volonté, n'est-ce pas ? Commencer par aimer, démissionner de la haine, tout simplement. Cesser de haïr. Alors comment faut-il faire ? Eh bien, il n'y a pas de recette pour ça non plus. Parce que justement, ça m'apparaît sous la forme de cette morsure sur laquelle je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas le pouvoir de décider, je n'aurai pas de remords. La nuit, je suis réveillé, et je suis agité précisément par le remords. Donc, c'est dans ce que je n'ai pas fait que se révèle la force de la morale. C'est pour ça que Jean Kelevitch disait, personne ne peut dire, je me moque de la morale, ou je ne suis pas moral, je suis amoral. Mais la morale ne m'attend pas que je le dise pour venir m'arracher les cheveux la nuit si j'ai fait quelque chose effectivement de mal. Mais il n'y a pas de bien.
Pour aimer, il faut aimer. Pour cesser de haïr, eh bien, il faut démissionner de la haine et commencer par le commencement. Pour vouloir le bien, c'est-à-dire aimer, il faut le vouloir. Tout cela donc suppose que le mal n'est pas une maladie extérieure que j'aurai à affronter, un ennemi avec lequel je me mesurerai en corps à corps, dans un combat singulier. Ce sont des représentations mythologiques que l'homme invente pour faire croire et se faire croire à lui-même qu'en effet, le mal est une maladie. Il n'est rien de tel. Il est simplement l'impossibilité d'aimer, ou plutôt la décision de ne pas aimer, la haine inextinguible. Moi, je crois qu'il y a des méchants. Et que pourtant, ils sont responsables bien que méchants. C'est ça qui est paradoxal. Ils sont méchants. Alors, la méchanceté est une excuse. Excusez-moi, je suis méchant. N'est-ce pas ? Il y a des gens à qui il est plus facile d'aimer qu'à d'autres. Par conséquent, en un sens, la méchanceté est une excuse. Mais en un autre sens, la méchanceté, ce n'est pas votre maladie, c'est votre péché lui-même. Parce que vous le savez, et vous le dites. Donc le méchant est à la fois irresponsable et responsable. Irresponsable parce qu'il est méchant. Donc il lui est plus difficile qu'à d'autres d'aimer son prochain. Mais en même temps, il le sait, c'est un homme. Il en a conscience. Et dans l'instant même où il dit « je suis méchant », il est méchant. Il est méchant en l'avouant, n'est-ce pas ? En le disant. La morale ne peut pas avoir de motif, et là-dessus Kant n'aurait rien à redire, si je puis dire. Mais John Cage disait aussi que le fait que je ne suis pas sûr, je ne peux pas être certain d'avoir fait le bien, fait que le bien, il est jamais fait. Ce qui signifie qu'il est toujours à faire, qu'il est toujours à refaire, et que donc il est toujours devant moi, et qu'on n'a jamais fini de faire le bien. Mais le mal, il suffit de l'avoir fait une fois pour l'avoir fait toujours. Clément Rosset, vous avez entendu cet extrait où Jean Kelevitch dit « croire à la méchanceté ». C'est un extrait qui pose toute une série de problèmes, problèmes qui se posent eux-mêmes d'ailleurs dans le troisième volume du Traité des Vertus consacré à l'innocence et la méchanceté. Je vous avoue que je suis perplexe moi devant ces paroles parce que j'ai le sentiment à l'écouter que de temps en temps il tient la méchanceté pour un défaut d'amour, une perversion, une inaptitude, la négation de quelque chose, le manque de quelque chose. Et de temps en temps j'ai le sentiment tout de même qu'il substantifie la méchanceté, que la méchanceté est un quelque chose en quoi il s'agirait de croire. Clément Rosset, est-ce que pour Vladimir Jean Kelevitch, on est méchant en soi ou est-ce qu'on est méchant faute d'être gentil ? Après des dizaines et des dizaines d'années d'amitié avec Vladimir Jean Kelevitch, je me pose toujours la question. Il hésite toujours, en matière de morale, il hésite toujours entre un pôle qui serait kantien et qu'il refuse, et un pôle bergsonien. L'ambiguïté ou ce qui caractérise le souci moral de Jean Kelevitch est rendu complexe par le fait qu'il s'appuie sur deux axes, pas de l'axe Bergson-Kant, mais plutôt sur une considération du temps. Tout se fait dans le temps, et un temps dont Vladimir Jean Kelevitch avait une conception extrêmement pointue, la première, dernière fois, le à peine arrivé, le déjà parti. Il a un mot technique qu'il emploie souvent. Le terme que Jean Kelevitch emploie très souvent, c'est apparition disparaissante. Oui, l'instant est une apparition disparaissante. Oui, c'est donc, ça, le première, voilà, dernière fois, mais il a un mot aussi un peu... Semelle-factivité. Semelle-factivité. Voilà, oui, ce qui a... Alors, ce qui fait que pour Jean Kelevitch, le bien et le mal est de l'essence comme toute chose du temps, qui était un son si fondamental. Là, on n'est pas bon en absolu, méchant en absolu. On est toujours, c'est toujours un peu le temps qui décide, et souvent le dernier instant. L'occasion fait le larron, l'occasion, grand mot de grâce, Balthazar Graziat, que j'aime tellement. L'occasion fait le larron, mais l'occasion fait aussi la vertu. Et on sait qu'après coup, et c'est déjà d'ailleurs trop tard dans un sens, et ça serait trop tôt de le savoir avant. On ne s'installe pas dans la morale, on ne s'installe pas dans la vertu. Ce sont des mots de Jean Kelevitch, si je ne me trompe pas. Il ne croyait pas à cette morale installée, cette morale écrite. Et il penchait beaucoup plus
du côté d'une morale qui ne se décide qu'au dernier moment et dont l'auteur ne sait même pas qu'il est moral ou qu'il n'est pas moral. Et de mon point de vue, il y a tout de même une lointaine assonance, là encore, entre cette morale non codifiée, non installée, et tout de même un peu les deux sources de la morale, de la religion. De Bergson. Un petit peu la morale ouverte, il me semble qu'il y a un pont qui va de l'un à l'autre. Mais alors le méchant, il est responsable ou il est irresponsable? Pierre, totalement responsable. Totalement responsable, dit Isabelle de Montmelin. Michel Ledeuf. Moi, j'aurais une lecture un peu en décalage. Vladimir n'aimait pas dire de quelqu'un « il est méchant ». Mais il faut, quand on a épuisé toutes les explications possibles, quand on a examiné toutes les circonstances atténuantes possibles, quand on n'a plus d'autres explications, on est obligé de s'incliner et de dire « cet homme est méchant ». Mais là où ça engage la relation au temps, dans l'extrait que nous avons entendu, il y a un moment où je crois la clé est donnée. C'est quand Vladimir dit, s'adressant en somme aux méchants, « Mais démissionnez donc de la haine. » C'est que ce qui est méchanceté, c'est une espèce de continuité dans la haine. Si vous êtes méchant un quart de seconde, après tout, on pourra peut-être revoir la question. Mais là où il y a un vice de la volonté, c'est quand une personne persévère dans la haine pendant des années. Et là, il savait de quoi il parlait. Il y a des expériences historiques qui montrent bien que la méchanceté, c'est la continuité dans la méchanceté. Alors que l'acte moral, le vrai acte moral, c'est l'instant. On ne s'installe pas dans la vertu, en effet, c'est... ça apparaît, ça disparaît, on ne peut même plus s'en souvenir 3 minutes plus tard. Mais la haine qui persévère, ça c'est très très grave. C'est en cela qu'il y a une dissymétrie entre le mal Absolument. Et le bien, puisque Absolument. Faire le mal une fois, c'est déjà le faire trop, mais faire le bien, c'est forcément le faire pas assez, Isabelle de Montmelin. Oui, mais du fait que le bien, pour Jean Kelevitch, se situe au niveau de ce qu'il appelle « amour », lorsqu'on le fait, on n'a même plus envie de parler de son propre bien. On a oublié, on n'est plus au niveau de la morale, d'une morale traditionnelle. On est par-delà le bien et le mal. Donc, celui qui aime, tout simplement, ne fait plus attention à ses propres vertus. Mais je crois qu'on ferait une très grande erreur en accentuant trop l'aspect apparition disparaissante, qui est évidemment si important chez Jean Kelevitch. L'aspect instant, l'aspect presque rien. Parce que, je le répète, Jean Kelevitch visait tout de même une vita nova. Il parle d'une conversion durable du cœur et de la volonté, d'une vie, mais d'un nouvel homme, d'un homme totalement transformé au feu de l'amour. Alors je vous écoute toutes les deux et j'entends l'une dire que le bien dure et l'autre dire que le mal dure. Le mal est mal quand il dure. Et le méchant est responsable de la duration, si je puis dire, de sa haine. D'où le mot « démissionner » de votre haine, mais comme on quitterait un parti politique. Et c'est bien à ça qu'il pense. Et c'est bien à ça qu'il pense. Clément Rosset. Nous avons parlé de la question « responsable, irresponsable, méchant hein. ». C'était votre question, monsieur Antoven. Avec autant d'aplomb que de sûreté, vous avez tout de suite répondu ensemble, l'une... responsable, l'autre irresponsable. Ça m'a un peu amusé parce que le méchant est responsable et irresponsable. Donc vous avez raison toutes les deux. La deuxième réflexion que je ferai, c'est que vous avez beaucoup insisté sur l'incompréhension totale du mal chez Jean, du méchant, enfin, disons chez Jean Kelevitch, et son préjugé fondamental. Mais il avait certainement un préjugé, comme Dostoïevski d'ailleurs, tout comprendre et tout pardonner, il avait beaucoup de peine à admettre que quelqu'un pût être mauvais. Peut-être que la lecture de Nietzsche, qui n'avait fait que... Bon, je n'insiste pas sur le thème, mais d'un rapport impossible. Nietzsche, mais il l'admirait beaucoup, mais il voulait pas le dire. Hein. De même, il détestait Schumann, mais disait-il, il en a joué devant moi admirablement. Il a aussi des coins cachés, des tiroirs secrets. Et alors,
Vous avez tout à fait raison. Les êtres sont bons, fondamentalement. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être... Avec Nietzsche, on comprend. Il y a une clé, le ressentiment. Le malheur, le ressentiment. Bon, avec Jurgelevitch, il n'y avait pas cette clé. Donc, il ne comprenait pas. Il y avait peut-être une vertu d'innocence plus profonde que celle de Nietzsche, sur ce point-là, du moins. Et alors, je crois qu'il y a eu les deux faits qui se sont conjugués dans la virulence, tout à fait compréhensible, mais tout à fait particulièrement virulente par rapport aux autres, de sa réaction à l'égard du nazisme. Tout se passe comme s'il y a du cœur. Mais il y a des gens qui sont parfois très méchants. Et puis, il y a des gens qui continuent. Et puis, ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. On s'obstine, comme pour se justifier. On n'a pas été assez méchant, on sera encore plus méchant. Comme ça, on aura raison à la fin. Troisième réflexion, alors celle-là est très importante, mais très courte. Je crois que Jurgelevitch qui a dit, qu'elle parlait du cogito moral, qui a dit qu'on savait quand on avait mal agi, qu'on savait pas quand on avait bien agi, qu'il y avait un doute qui pesait sur le bien, mais qu'il n'y avait aucun doute sur le mal. C'est son côté, si vous voulez, un tout petit peu ancien, lointainement. Eh bien, pour ma part, je considère qu'au fond, et j'ai d'ailleurs des lettres de la fin de, un peu vers la fin de sa vie, Jurgelevitch n'était pas un moraliste. Pas un moraliste au sens de Kant, pas un moraliste au sens de ce qu'on appelle généralement un moraliste, car le bien, chez Jurgelevitch, était toujours subordonné au point de s'y confondre, à la fin, avec l'amour, qui est aussi un des titres de, je crois, un des trois titres du Traité des Vertus. De sorte que, sans le savoir, je pense que il était plus proche de Spinoza que de Kant, par exemple, et que s'il n'y avait pas eu ces événements épouvantables qui ont bouleversé, qui ont brisé cet homme, on aurait peut-être eu des livres d'après-guerre un peu différents. Ne cherchez pas le mal dans le diable, le mal ne sent pas le soufre, le mal n'a pas des cornes, le mal n'existe nulle part, le mal est dans nos cœurs. Et il est d'abord à l'intérieur même de la vertu, dans celui qui se croit vertueux. Et qu'est-ce que c'est qu'un monsieur qui croit avoir toutes les vertus? Et en effet, il est très ponctuel dans ses engagements, dans ses obligations. Il n'oublie jamais une obligation. N'est-ce pas? Il n'oublie jamais un anniversaire, il envoie des cadeaux à tout le monde, il envoie des fleurs à ceux qui sont morts. Et puis, dans le fond de son cœur, il s'en fiche complètement, comme la plupart des gens d'ailleurs, qui vont aux enterrements. Il est absolument sec. Et il fait ça pour avoir une place au paradis. Il fait ça pour parce qu'il croit que le bon Dieu lui en sera reconnaissant. Qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est un pervers. C'est lui qui ira en enfer. C'est pas les autres. Les chaudières et les marmites de l'enfer sont faits pour cette sorte de gens. C'est-à-dire pour ceux qui se croient vertueux et qui ont toutes les excellences, à qui on ne peut rien reprocher. Ils n'ont jamais eu un procès verbal, ils n'ont jamais eu d'affaire avec la police, ils n'ont jamais été arrêtés. Leur casier judiciaire est vierge, leur casier judiciaire. Mais leur âme, elle n'est pas aussi vierge que leur casier judiciaire. Et ce casier-là, alors, il est souillé, au contraire. Et voilà le mal. La morale du do ut des, je te donne pour que tu me donnes, ou je fais le bien pour avoir, Jean-Claude disait de manière très drôle, si je fais le bien en convoquant tout de suite les journalistes de la postérité, c'est pas le bien que je fais. Donc du coup ça rend très difficile effectivement la question du bien, comme la question de l'amour, parce que l'amour non plus ne peut pas être satisfait au sens étymologique, c'est-à-dire que je peux pas en avoir... On n'en a jamais assez fait de bien. Jurgelevitch condamnait aussi les morales du « j'ai déjà donné ». Je ne peux pas dire « j'ai déjà donné ». J'ai déjà assez fait. Mais même chose pour l'amour. Ça veut dire quoi? Que je n'ai jamais, en amour, on n'a jamais assez fait. Ce qui signifie que l'amour est toujours à faire. Je crois qu'il traduit en termes de morale une expérience qui est fondamentalement une expérience d'amour. L'amour ne calcule pas, ne lésine pas. L'amoureux ne dit pas j'attendrai ma fiancée, la femme que j'aime une demi-heure et ensuite je m'en vais.
Jean Kedewitch traduit constamment, en termes de morale, une expérience qui est en fait une expérience d'amour. L'amour est la seule mesure, et c'est chez lui une sorte d'atome de vérité, comme l'est l'évidence de Descartes. Tout ce que dit Jean Kedewitch se rapporte à cet atome d'évidence qu'un atome d'amour, qui est tout à fait comparable en fait à l'évidence cartésienne. Mais vous dites l'amour est la seule mesure, mais pourtant Jean Kedewitch dit l'amour, c'est un problème résolu à l'infini. Oui, justement, parce que l'amour n'a pas... C'est une mesure infinie, c'est oui, un étalon infini. C'est justement une mesure infinie. L'amour n'a pas en lui de raison de s'arrêter. Sa mesure est infinie. Michel Ledeuf, hein. Excusez-moi, je vais répondre à côté. Parce que nous venons d'entendre la voix de Vladimir... de Vladimir Jean Kedewitch, que d'ailleurs Robert Maggiori a désigné deux fois... sous le nom de Jean K, ce qui me ramène dans les années 60-70, parce que c'est ainsi que nous l'appelions. Et Vladimir expliquant qu'au fond, l'homme vertueux, c'est emmerdant. Et que ça n'est pas du tout là que la morale peut avoir lieu. Il y a, entre les lignes de toutes ces idées, le plus joli côté de son caractère, peut-être, qui était l'enjouement. Car je ne sais pas s'il a vraiment appliqué la maxime selon laquelle il faut redevenir comme un petit enfant, mais il était enjoué comme un gamin. Il jouait dans la vie, dans les circonstances ordinaires et quotidiennes. Et on avait envie de dire, Dieu merci, il ne cherche pas à poser... au monsieur vertueux. C'est-à-dire que sa philosophie de rejet du croque-mitaine solennel disposant de toutes les vertus avait un point d'application dans l'existence ordinaire. On riait beaucoup dans l'entourage de Vladimir. On s'amusait, on aimait la vie autour de lui. Et ça aussi, c'était un don d'amour. Donc, je répondrai là, maintenant, à votre question, après avoir pris un chemin fort détourné, c'est qu'il avait cet enjouement qui vous fait aimer la vie et d'une certaine façon aimer les vertus, mais avec discrétion. Clément Rosset, vous êtes d'accord avec cette phrase, aimer les vertus avec discrétion? Nous parlons de Jean Kay, comme mon bon vieux temps. Oui, il y a un humour de Jean Kedewitch, sensible dans sa voix, dans ses anecdotes. Il y a un côté très gamin qui, à mon avis, explique son affinité profonde avec Maurice Ravel et l'émerveillement d'enfance et d'innocence. Il a dit une chose très drôle tout à l'heure. Il a dit, bon, après tout, la méchanceté pourrait prétendre être une excuse. Je suis méchant, excusez-moi. Hein. C'est très drôle, effectivement. On pense un peu à ça de... Ah oui, excusez, la douceur n'est pas dans mes mains. Excusez-moi. Et d'autre part, vous avez dit crûment, mais justement, les gens vertueux, les gens vertueux sont emmerdants. J'ajouterais qu'ils sont également extrêmement méchants. Hein. Il ne faut pas oublier non plus cela. Et même, on peut dire que le mal, c'est dans la disjonction des vertus. C'est d'avoir une vertu sans les autres. Le mal, c'est d'être courageux sans être sincère, sincère sans être juste, etc. Le mal, c'est la dissociation des valeurs. Une valeur dissociée des autres devient méchante, devient mauvaise. Comme quelqu'un, par exemple, qui veut la vérité à tout prix, n'est pas dû son prochain en crever, qui fait exprès de dire la vérité à un mourant. Enfin, il trouve ça très bien, au nom de la vérité. Ça arrive. Les puristes, j'appelle ça les véristes, qui sont tellement amis de la vérité, soi-disant, qu'ils disent la vérité au mourant. Ils disent au cancéreux, tu as un cancer. Et il en a pour 15 jours, tu en as pour 15 jours. Alors, c'est vrai, ça peut être vrai, mais ça n'en est pas moins la méchanceté. Souvent, il y a des familles dans lesquelles il y a un monsieur, il est très fier de ça, le père de famille, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ben, moi, je ne l'admire pas. Je dis c'est le diable s'il ne ment jamais. Moi, je suis pour le mensonge, figurez-vous. Alors, ce champion de la sincérité, ce champion de la vérité, de la véracité, je dis que c'est machiavélique. C'est machiavélique, parce qu'il n'a pas de cœur, d'abord. C'est la première chose. Comment fait-il? C'est pas difficile. Il dit la vérité. Bon, dans certains cas... c'est une marque de courage, et dans la plupart des autres, est une marque de sécheresse absolue. Le champion du monde de l'hypocrisie, c'est donc l'homme qui se flatte de dire toujours la vérité. Est-ce que,
par-delà cette idée-là, par-delà ce personnage, cette figure bien connue du vertueux, du vériste, comme il le dit, il n'y a pas l'idée que le mal, c'est aussi le besoin que nous pouvons avoir donc de la reconnaissance d'autrui, de l'admiration d'autrui. Michel Ledeuf. Je ne suis pas sûre. Je n'en sais rien. Bon, quand il parle du décalage entre les vertus, il sait très bien que les vertus ne coïncident pas ipso facto les unes avec les autres. C'est même compliqué. Il y a quelque part la formule « la Macédoine des valeurs ». Et ça dit tout, je crois, sur la difficulté qu'il y a à, par exemple, dire la vérité en voulant dire la vérité pour pouvoir aider quelqu'un. Il a fait un cours sur la mauvaise foi et la bonne en Sorbonne il y a très très longtemps, où il parlait des difficultés entre la véracité, la véridicité, etc. Tout ça est très compliqué. Mais je crois que là, ce qu'il prend pour cible, c'est bien l'absence de cœur qui peut être mise dans l'exécution littérale et mécanique d'une prétendue vertu, c'est-à-dire que toute vertu peut devenir sadique si elle s'exécute sur un mode qui ne contient rien comme élément et comme élan affectif. Même les exemples qu'il donne pourraient être discutables et discutés aujourd'hui. Enfin, la personne qui dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il ou elle a un cancer peut tout à fait le faire sans qu'il y ait l'ombre d'un sadisme ou d'une méchanceté, au contraire, parce que cette personne demande la vérité, souhaite la vérité, et qu'on répond à une demande. De même que savoir si la vie va s'arrêter bientôt ou non, ça peut être une demande. À l'époque, c'était probablement plus compliqué parce que à l'époque, il n'y avait, pour ce qui est de la cancéro, il y avait probablement peu d'espoir. Mais tout en souhaitant pour ma part discuter des exemples mêmes qu'il donne, l'élan intellectuel de ce qu'il dit est toujours vrai. C'est-à-dire qu'il est toujours clair qu'une certaine manie de dire la vérité, non pas pour libérer autrui, non pas pour aider autrui, non pas pour conforter autrui, non pas pour trouver une relation plus transparente avec autrui, mais par pur sadisme, ça, là-dessus, il a indubitablement raison. Est-ce qu'il n'est pas du côté de ces philosophes qui dissocient la vérité du bien ? Parce qu'après tout, on vit, nous, judéo-chrétiens et platoniciens, on vit depuis 2500 ans sous le règne pesant de l'identification du vrai au bien. Or, nul ne nous dit que la vérité, c'est le bien, Isabelle de Montmalin. Je crois qu'il y a différents plans de pensée chez Jean Kelevitch. Et quand il parle du bien qui est pour lui l'amour, il parle d'une survérité. Et cette survérité rend vraies les choses, de même qu'elle les rend belles. Alors, en fait, le fait qu'il y ait un débat entre les normes vérité et beauté est un fait assez ironique qui se situe au niveau d'une apparence dans la vie. Celui qui choisit, comme il le dit quelque part, le chauffage central contre l'amour, l'utilité contre l'amour, fait un marché de dupes. Alors qu'en revanche, au niveau de ce qu'il appelle amour, les normes cessent brièvement, mais enfin elles cessent de dissonner. Clément, c'est... Que dites-vous de cette phrase, de cette affirmation de Jean Kelevitch dans quelque part dans l'inachevé quand il dit « L'amour n'est-il pas plus vrai que la vérité et plus juste que la justice ?» Je crois que en musique, en tout, en morale et en particulièrement, le fond de l'affaire est l'amour. Ben, de toute manière, j'élargis le débat, je sors de Jean Kelevitch et j'entre dans la philosophie générale, si je puis dire. Je pense que nous sommes obsédés par la valeur de vrai. Et depuis Descartes, depuis Platon et bien d'autres.
et que les philosophies d'un autre, d'une famille complètement opposée, dont on peut trouver des traces dans l'Antiquité, dont on peut trouver aussi des traces dans des, chez les philosophes modernes, à partir de Spinoza ou plus tard de Nietzsche ou d'autres, ont contribué à dévaluer légèrement la valeur de la vérité pour lui substituer la valeur de bonheur et d'amour. Et là, il y a un problème immense, alors que nous pourrons pas traiter, puisque nous parlons de Jankélévitch, mais Jankélévitch se trouve sur la ligne de cassure de ces deux familles philosophiques. Mmh. Mais je voudrais aussi dire un mot, alors sur ce qu'a dit, je crois, Michel, ben c'est loin des valeurs, vous avez dit, ben c'est loin des valeurs. Oui, le sadique, l'hypocrite, c'est la loi de l'hypocrisie. L'hypocrite est un grand habile qui a fasciné les plus grands esprits, Molière et bien d'autres. Et comme il sait d'une traîtresse manière se faire un bon de tout ce qu'on révère, enfin un bon usage de tout ce qu'on révère. La Macédoine des valeurs, le type qui emmerde, il va jamais choisir un missile. Il va choisir dans le confisier aux vertus. Il va choisir celle qui, dans le moment même, précis, va faire le plus de dommages. Entraîner le plus de dommages et emmerder davantage. Nous retrouvons là un grand homme, Jankélévitch, chez le thème de l'occasion, un thème sophiste d'origine, auquel il se réfère sans cesse. Et il n'y a pas de bien en soi. Il y a un bien. Tel, Gratian le disait aussi admirablement. Une chose est bonne à un moment et détestable à un autre. Alors, un dernier mot. Vous avez posé un très grand problème. Est-ce que, on est passé très vite là-dessus. Est-ce que, je ne sais pas si c'est vous, M. Antoven, ou si c'est Michel qui a posé la question. Est-ce que le méchant, ce qu'on appelons ça entre guillemets méchant, hein, ne recherche pas la reconnaissance, pas le public, mais la reconnaissance de l'autre qu'il martyrise, de son agrément, son amitié. Je pense que, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a une tentative désespérée de se faire aimer d'un être qu'on envie, enfin que. Et finalement, on trouve de moyens pour attirer son attention, que ce moyen absurde qui consiste à le persécuter. C'est Gilles Deleuze qui parlait du sale petit besoin d'être aimé. Est-ce que ça correspond Ben, ça serait un peu ça, oui. Isabelle de Montmelin. Je crois que monsieur a dit quelque chose de très très important et de tout à fait fondamental en ce qui concerne Jankélévitch. On a vécu pendant des siècles et des millénaires sur cette valeur de vrai, de vérité. Et ce qu'il faut bien comprendre avec Jankélévitch, c'est que quelque chose tourne comme, un peu comme si l'amour était le soleil dont cette vérité n'avait été que la réverbération. Il y a quelque chose de fondamentalement nouveau dans la pensée de Jankélévitch et c'est ce qui intrigue chez lui, c'est ce qui nous déconcerte parce que sa pensée n'est pas adaptée à des concepts qui ont été forgés par la raison et pour la raison. Je pense qu'il y a eu deux routes dans notre Occident, la route de la raison, la grande route rationnelle. Il y en a une autre, plus souterraine, qui est la voie secrète. Plus aérienne, peut-être. Ou plus aérienne. La Pourquoi voie vous la mettez sous terre? Ben, écoutez, c'est, elle est un peu partout. qui est la voie de l'amour, qui était d'ailleurs déjà chez Platon, qui ressurgit ici ou là. Et il faut bien comprendre que Jankélévitch emprunte décidément cette voie-là. Elle réapparaît dans Le Banquet. C'est pourquoi Le Banquet est, à mon avis, un des chefs-d'œuvre, le livre que j'aime le plus, en tout cas. De Platon. D'autre part, il y a des cas bizarres. Hein. Je pense, en vous écoutant, je pensais à Leibniz. Leibniz est un cas très curieux parce que pour lui, la valeur de vrai est absolue. Dieu est infiniment savant avant d'être infiniment puissant. Mais en même temps, la vérité est la manifestation du bien. La vérité est préétablie. C'est-à-dire que chez Leibniz, le rationalisme n'est pas la recherche du vrai pour le vrai, mais du vrai, parce que le vrai est l'expression du maximum de bonheur. Alors, il y a des cas, en gros, la cassure entre les deux tendances est vraie, mais il y a des cas qui ne sont pas faciles à situer. Mais bien sûr que non, et même si on prend l'évangile de Jean, « Ma vérité te rendra libre ». Ah ben ça, oui. Dans ce cas, oublions le « ma » dans cette phrase qui est très gênant. Disons « la vérité te rendra libre ». Si c'est vrai, dans ce cas,
donner la vérité est un don de liberté à autrui. Et la vérité se trouve sur les rails pour devenir bonne. Et je crois que Vladimir a tout de même aussi beaucoup témoigné de la valeur de la vérité. Enfin, il allait de temps en temps passer sa matinée au tribunal du coin pour des procès, et il allait témoigner contre un certain nombre de groupes d'extrême droite pour dire comment ça pouvait faire du mal, etc., etc. Il faisait ça tout naturellement entre le petit déjeuner et le déjeuner. Ce qui était charmant, si je puis dire, c'est qu'il n'en faisait pas une affaire. Mais enfin, il connaissait aussi la vertu de la vérité, qu'il faut bien la dire. Et quand on est un intellectuel, il faut bien, à certains moments, dire la vérité, mais avec l'intention de dire la vérité pour dire une vérité, je cite, hein, pour dire une vérité qui, elle-même, soit en direction du bien. De Jankélévitch, c'est Fénelon, c'est Pascal, c'est Robert Madjer, c'est Kierkegaard, enfin c'est effectivement des penseurs qui n'avaient pas été, je crois, aussi loin que lui dans la morale de l'amour. Alors que c'est une morale d'une exigence absolue, quoi, qui tient, je crois, la tension principale, je crois, que sur laquelle a insisté Jankélévitch, c'est le rapport entre l'être et l'amour, précisément, parce qu'il y a une contradiction indépassable. Quel est l'ennemi de l'amour? Je crois que l'ennemi de l'amour, c'est forcément notre propre poids, c'est-à-dire le poids de l'égoïsme. Bergson dit dans des textes célèbres, tout moi qui mériterais de l'être, que les saints, les héros, les génies agissent sur l'homme non pas tellement par ce qu'ils écrivent, et ni même par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font, et plus encore par ce qu'ils sont. C'est leur être, et c'est qui est leur message. Donc ce n'est pas le livre, ce n'est pas le discours, ce n'est même pas peut-être les actes, encore que les actes en soient beaucoup plus près, c'est leur présence elle-même. C'est leur présence qui est rayonnante, c'est la personne du héros qui est la leçon d'héroïsme. Jankélévitch disait toujours, au fond, c'est pour moi que je respire, c'est pour moi que je peux faire du vélo en forêt, c'est pour moi que je mange, c'est pour moi que je me douche, c'est pour moi que je plonge dans la piscine, pour avoir un plaisir qui est un plaisir qui me rapporte à moi. Or, l'amour exige la lutte contre ce qu'on peut appeler la philotie, c'est-à-dire l'amour de soi. Or, plus il y a de philotie, moins il y a d'amour. C'est-à-dire, plus on tient à soi, moins on peut donner à l'autre. Le pur amour, c'est une limite, une lame de rasoir, n'est-ce pas ? Une fine pointe, une pointe d'aiguille, qui n'est perceptible que pour les phénoménologues, n'est-ce pas ? Comment peut-on aimer sans aussitôt se complaire dans son amour ? Il ne faut pas avoir le sentiment d'aimer pour être heureux d'aimer, comme les jeunes gens, et les vieillards encore plus, qui, devenant amoureux, se disent « Tiens, je suis amoureux comme tout le monde, quelle chance, donc je suis un homme comme tous les hommes, et qui dansent de joie parce qu'ils sont amoureux. » À ce moment-là, ils ont oublié d'aimer, ils ne s'occupent plus d'elle, ils aiment leur amour. C'est ainsi que l'amour de l'autre devient l'amour de l'amour, l'amour de soi aimant l'autre, et par conséquent, c'est un amour épais, la fine pointe est cachée, émoussée, et elle devient épaisse, comme elle devient une complaisance, ce n'est plus de l'amour. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et qu'est-ce que c'est qu'être généreux? C'est donner ce qu'on n'a pas. Jean Morel. C'est une formule qu'il ne cesse de répéter, n'est-ce pas ? Donner ce qu'on n'a pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, n'est-ce pas ? Et en ce sens, on voyait bien qu'en tant que professeur, n'est-ce pas, il donnait ce qu'il n'avait pas, ce qu'il n'était pas non plus. Je ne suis rien, et tout le savoir que j'ai, si vous voulez, je vous le donne. C'est très curieux, cette improvisation, cette espèce d'abandon, cette espèce de sortie de soi, je vous donne tout, et je ne suis rien. Ce qu'il avait d'essentiel à dire, c'était pas lui, mais c'était précisément ce don. Vous devenez de plus en plus embarrassant. Celui qui est vraiment à l'amour de son prochain, a fortiori est sincère, a fortiori est courageux le moment venu, est généreux, enfin il a tout, et même l'humilité. Et il pense pas à lui, il pense qu'aux autres. «
Apparemment, le temps ne fait rien à l'affaire. Puisqu'à tout âge, à en croire Vladimir Jankélévitch, on est amoureux de l'amour avant d'être amoureux de l'autre qu'on aime. Un peu comme Madame Bovary, revenant d'un premier rendez-vous avec Rodolphe, et se disant à elle-même « j'ai un amant, j'ai un amant », avec le sentiment évident de s'identifier aux héroïnes des romans à l'eau de rose qu'elle lisait dans son enfance. Alors, même si nous sommes tous un peu des Emma Bovary, comment peut-on parvenir à aimer autrui de façon pure, c'est-à-dire en somme, indépendamment de soi ? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, Michel Ledeuil. Isabelle de Montmelin, il y a une recette ou pas ? D'une part, il n'y a pas de recette. Et d'autre part, quand Jankélévitch parle d'amour pur, il parle de l'importance de cet instant. Il ne dit pas que c'est un instant qui se continue. En revanche, cet instant rayonne. Le fait que cet instant existe et se recommence au fil d'une durée engendre un rayonnement qui transforme l'existence. Donc, le pur amour n'est pas une sorte de sommet sur lequel on devrait se maintenir. On ne peut pas s'y maintenir. L'important est qu'il existe. Que ce mouvement total en direction de l'autre existe. Voilà qui importe. Clément, c'est votre sentiment sur cette pointe d'aiguille du pur amour qui n'est pas un sommet. Cette grande expression, Jean-Claude, eh bien, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de recette. Mais je pense qu'il y a des conditions. Et sur ce point, je pense tout à fait à l'opposé de l'orateur tout à l'heure, je crois, de Benjury, qui a opposé la philotire, c'est-à-dire l'amour de soi, à l'amour de l'autre. Je pense que la condition de l'amour de l'autre, pas la recette, hein, mais la condition qu'on a ou qu'on n'a pas, de l'amour de l'autre, et comme l'enseigne le précepte selon lequel la charité bien ordonnée commence par soi-même, je pense que la condition absolue de l'amour de l'autre est l'amour de soi, ou plus précisément, pas l'amour de sa personne, mais l'amour de la vie, l'amour des choses. Mmh. Et que par conséquent, opposer l'égoïsme de l'amour de soi à l'altruisme de l'amour de l'autre est une supercherie. Je suis totalement d'accord avec Clément Rosset. Et je crois que Vladimir Jankélévitch lui-même en avait tout à fait conscience, parce que le jeu qu'il fait autour de la question de la philotie, bon, la philotie, finalement, c'est un bon apprentissage de l'amour tout court. Philotie, par quoi il désigne, en fait, l'amour de soi. Mais c'est plus l'amour propre, en fait, quand on parle d'amour de soi ici, non ? C'est plus le calcul de son intérêt. L'amour propre au sens du sentiment qui implique les questions de vanité, d'image de soi, etc., n'aurait pas eu bonne presse auprès de lui. Tandis que l'amour de soi, qui est au fond un sentiment de gamin, je crois qu'il aurait tout à fait souscrit à la lecture que propose Clément Rosset, et qu'il aurait dit qu'au fond, ça va. Isabelle. Jankélévitch n'aimait pas les complications de la conscience. Il n'aimait pas les consciences labyrinthiques. Il faut sortir de son labyrinthe, comme le prisonnier platonicien doit sortir de la caverne. Il n'y a pas d'autre caverne que le labyrinthe de notre propre conscience. Mais en ce qui concerne cette question de la philotie, il le dit très clairement. Pour pouvoir se donner, il faut s'appartenir. Il faut un ego fort, bien structuré, pour être à même d'aimer. Mais la vie d'un amour est un continuel jeu entre le fait de se donner et le fait... C'est un jeu dans l'infinitésimal. Ce n'est pas une question de posologie, de calcul. Mais il dit quelque part se mouvoir par fluxion infinitésimale. C'est un jeu vraiment dans le subtil et dans le fin. Mais alors expliquez-moi comment et pourquoi Jankélévitch élabore une critique, mais alors là pour le coup radicale et très franche, de la notion d'alter ego, qu'il tient pour une enflure, une boursouflure de l'ego, une invention de l'ego. Il dit même, du cynisme à l'altruisme, qu'il y a la distance de l'égoïsme franc qui ose se professer lui-même, à l'égoïsme noir qui n'ose pas dire son nom. L'altruisme, c'est l'égoïsme noir. Isabelle. Alors, si Jankélévitch critique la notion d'alter ego, c'est parce que l'autre n'est jamais un alter ego. L'autre est quelqu'un de tout à fait différent de moi-même. Et il dit que la difficulté de communiquer avec l'autre pour deux voisins de palier n'est pas plus difficile que s'ils sont séparés par l'océan Pacifique. L'autre est quelqu'un de tout autre que moi. Donc, seul l'amour et l'intuition peuvent faire le bon de moi à l'autre. Est-ce que le terme d'altérocentrisme vous semble adapté pour qualifier sa philosophie morale, Clément Rosset ? Oui, je ne vois pas d'objection. Et j'ajouterais à ce que disait très justement Isabelle, que cet amour-là,
n'est condamné que parce que c'est un, non pas l'amour, mais l'amour d'une personne particulière et surtout un amour illusoire qui remplace la personne aimée par une projection de soi. Donc c'est, nous sommes dans un sens de l'amour très particulier et qu'il le refuse n'implique pas du tout une mise en doute de cette origine de l'amour. Michel Ledeuf. L'amour n'a pas de composant d'objet. Voilà. Et l'altruisme, non. L'altérocentrisme, non plus. Et la notion d'alter ego, je crois que nous venons d'expliquer très clairement, en effet, que l'alter ego n'est jamais qu'une projection de soi-même dans un pseudo-autrui et relation de miroir qui a pu, à certains moments dans l'histoire, recouvrir des amitiés très fortes qui n'étaient certainement pas d'ordre spéculaire. Enfin, Montaigne et la Boétie, on ne va pas dire que c'est une relation d'alter ego, parce que ce serait injuste à l'égard de l'un et à l'égard parce de l'autre. Que c'est terrible, parce que... Voilà, c'est une relation de grande, grande singularité. Alors, entre parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais justement, la critique de l'alter ego, enfin l'altérocentrisme en l'occurrence, c'est le contraire de l'alter ego, puisque l'alter ego est une invention de l'ego chez Jean Kelevitch. C'est de l'égocentrisme, c'est un enfant de l'égocentrisme. Quand je parlais d'altérocentrisme, je pensais notamment à ce passage dans lequel il disait « Je rêve d'un amant ». Qui passerait toute sa vie avec la femme qu'il aime et qui mourrait sans jamais l'avoir véritablement connue, c'est-à-dire en ayant renoncé à la connaître, en définitive. Non, je ne crois pas qu'il dit renoncer à la connaître. Pas du tout, parce que l'amour est une connaissance. Renoncer à la curiosité. Curiosité quant à son passé, par exemple. La vaine curiosité. Voilà. Et puis, quand on connaît tout d'une personne, on ne connaît encore rien de cette personne. Précisément. Donc... il est vain de chercher à connaître. On connaît de toute façon en vivant avec quelqu'un, on connaît ce quelqu'un. Mais vouloir connaître face à autrui, c'est déjà pervertir d'une certaine façon la relation. Mais est-ce que le paradoxe de la morale n'est pas également de deux choses l'une ? Soit on est tous les mêmes et je ne fais pas à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse. Et la question même de la morale ne se pose plus puisqu'elle est là. Sous la forme de principe qui s'applique à tous, indifféremment. Soit elle reconnaît la différence de chacun, et à ce moment-là, elle se complique singulièrement dans son application. Si l'autre est différent, la question même de la morale est plus complexe, me semble-t-il. De là la subtilité peut-être de la morale de Jean Kelevitch. Plus complexe et en même temps simple comme bonjour. J'imagine que Clément Rosset va nous expliquer ça. C'est toujours la question de l'occasion, de la circonstance. À chacun sa manière d'être aimé. Je reviendrai juste un mot sur... j'avais pas compris l'altérocentrisme, vous avez dit. Si je la comprends, en tout cas dans mon sens, maintenant où je la comprends, c'est-à-dire ne pas s'occuper des autres et ne pas s'occuper de soi, je pense qu'il s'agit là du fait de l'oubli de soi qui est toujours très dangereux. Il s'agit d'une forme perverse et dangereuse de la charité. Que toutes les vertus sont comprises en amour. Déjà, les stoïciens disaient ça. Celui qui en a une, les a toutes. Et il ne parlait pas de l'amour, il parlait de la sagesse, n'est-ce pas ? Celui qui a une vertu, les a toutes. Et c'est vrai, à ce point de vue-là. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, par exemple, juste, soi-disant juste, qui serait menteur, qui ne serait pas sincère ? C'est qu'il n'est pas juste non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un homme d'amour qui serait injuste ? Remarquez, il est peut-être injuste en faveur de celle qu'il aime, par exemple. Là, c'est possible. Mais c'est autre chose que l'injustice. C'est quelque chose de plus profond. Donc, il est bien évident que quelqu'un qui serait un homme sincère et qui, en même temps, serait injuste et serait haineux, eh bien, je dis, il n'est pas sincère, n'est-ce pas ? Parce que la sincérité enveloppe tout cela. Donc, chaque vertu est comme un être de cristal dans lequel on voit par transparence toutes les autres. On peut lire tout en chacune, en filigrane.
l'être de cristal qui révèle les autres, ça veut dire qu'aucune vertu ne peut se définir en elle-même. Elle est toujours en rapport, n'est-ce pas ? Il y a toujours un phénomène de prisme, un phénomène de jeu de couleurs, de nuances. On le voit très bien. Comment définir l'humilité sans définir la générosité, sans définir l'amour, sans définir... Tout est lié. Toutes les vertus sont liées et en même temps elles sont différenciées. Parce qu'il y a un angle de vue différent, mais sur quelque chose qui ne peut pas faire catalogue et qui ne peut pas faire, en quelque sorte, extériorité juxtaposée ou capitalisation, si vous voulez. Je pense que il y a chez Jean Kelevitch l'impossibilité, précisément, de faire des livres. Il se répète tout le temps, Jean Kelevitch, et il dit toujours la même chose, en un sens. Il y a chez Jean Kelevitch l'impossibilité de faire des livres comme on en fait maintenant, n'est-ce pas ? Des livres mode d'emploi. C'est l'anti-mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ça déprécie beaucoup la classification des vertus, et c'est pourquoi c'était très démodé. C'est au Moyen-Âge qu'on faisait ça, ou chez les Grecs, n'est-ce pas ? On les énumérait l'une après l'autre, comme si, en effet, on pouvait être courageux, par exemple, sans être sincère. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme courageux qui n'est pas sincère ? C'est la même question que je posais tout à l'heure. Il n'est même pas courageux. D'abord parce que la sincérité implique du courage, pour commencer. Le courage d'être soi, le courage de dire ce qu'on a à dire, etc. Donc, cette classification, au fond, n'a pas tellement d'intérêt. Elle est secondaire. C'est un petit jeu auquel on se livre, mais qui, au fond, est déprécié par le fait même de l'amour, dans lequel toutes les vertus se rassemblent, comme dans leur foyer, comme dans l'étincelle, n'est-ce pas, où elles se résument, et finalement, où leur diversité disparaît. Au fond, l'amour, par lequel je termine, déprécie les vertus, puisque l'amour, au fond, n'est pas une vertu, ou bien c'est une vertu qui rend inutile toutes les autres. Celui qui a l'amour a tout, Saint Paul a dit ça, autrement que moi, et bien mieux, mais c'était vrai, de la charité, n'est-ce pas ? Celui qui a toutes les vertus mais qui n'a pas la charité, il n'a rien du tout. Il peut aussi savoir jouer du violon, du clavecin, de l'alto, et puis ça ne concerne pas la vie morale. Et inversement, celui qui a l'amour n'a pas besoin d'avoir les autres. Tous les autres sentiments peuvent être mesurés, réduits, mais pas l'amour. L'amour, effectivement, ne peut être que... D'ailleurs, c'est très difficile aujourd'hui à faire passer. Quand Jean Kelevitch disait « on n'aime qu'une fois, tout le temps, toujours », on a du mal à le comprendre. Au sens où on dit « mais que ça veut dire on n'aime qu'une fois ?» C'est qu'on ne peut aimer qu'une personne tout entière, et pour toujours. C'est-à-dire que l'amour ne peut pas envisager son propre échec. On ne peut pas dire « je t'aime à certains égards ». Jusqu'à un certain temps. Donc on aime tout l'être, avec ses qualités, avec ses défauts, sans faire le tri d'ailleurs, parce que dans ce cas-là, on ne serait pas un amant, mais on serait un amateur qui fait le tri, lui, justement, dans ce qui a du prix. Et l'amant, il aime tout entier. L'amour, c'est le contraire de l'ennui. Demandez à un amant s'il s'ennuie. Il s'ennuie, non, mais c'est l'amour, c'est vertueux, il est vertueux, c'est lui qui est vertueux. Il est avec celle qu'il aime, c'est le colloque de silence dont parle saint François de Sales. Avec lui, c'est le bon Dieu, mais enfin, bon, ça peut aussi bien être avec celle qu'on aime. Alors, c'est le contraire de l'ennui, il me semble, n'est-ce pas ? C'est les autres qui s'ennuient. Alors, dans cette mesure même, lier l'amour à l'ennui, c'est ne rien comprendre à l'amour, bien entendu. C'est les plus grandes joies de l'existence. C'est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'amour ne savent pas ce que c'est que de vivre. La morale de Jean Kelevitch est une morale laïque. C'est une morale laïque, oui, je crois. Il n'est pas dit que l'amour soit forcément une vertu théologale et qu'elle soit reliée totalement à la religion. Bien sûr que l'amour est une vertu chrétienne, par exemple, mais l'amour peut être pensé sans référence, effectivement, à une transcendance. Mais on peut lire Jean Kelevitch, effectivement, avec le soupçon qu'à un certain moment, on va tourner la page et Dieu va apparaître. Il n'y a pas d'apparition de Dieu. Il a toujours interprété la notion de foi sans lui donner un contenu religieux. Quoi. La foi, c'est la fiance, quoi. C'est la créance. C'est être le. D'ailleurs, on l'oublie toujours quand on parle du mot foi, que c'est le même mot que fiancé. C'est le fiancé, quoi. C'est celui qui aime. Celui qui a la foi est celui qui aime, celui qui est le fiancé d'eux, le fiancé de l'autre.
chrétien ou le mot charité, le mot qui correspondrait à la vertu de l'aimante serait la charité. Mais la charité s'étend à l'humain de l'homme en général, à tous les hommes, et au rapport de l'homme avec Dieu. Et il nous faut un terme plus significatif se rapportant au rapport des hommes entre eux, et surtout de l'homme avec la femme. Alors, quel meilleur terme y a-t-il que amour ? Isabelle de Montmelin, est-ce que la morale de Jean Kelevitch, selon vous, peut être qualifiée de morale laïque ? Je crois que c'est, cette manière de dire est un peu simpliste. Qui peut en décider ? Jean Kelevitch n'est pas saint Thomas d'Aquin et il n'a pas construit une philosophie au service de la théologie. Il n'empêche que Jean Kelevitch, d'une part, cite énormément et la Bible, les évangiles et une quantité d'auteurs qui sont quand même dans la grande tradition du christianisme, notamment les pères de l'Église grecque, et des François de Sales, Fénelon et quantité d'autres, et toute une pensée russe qui était quand même tout de même religieuse. Je crois que il ne faut pas vouloir décider. On ne peut pas comprendre Jean Kelevitch sans une référence très profonde à la tradition judéo-chrétienne, mais un judéo-christianisme de l'esprit et non pas de la lettre. Il a constamment fait cette distinction entre pneuma et gramma, l'esprit et la lettre. Cette question de l'esprit. Et on peut se demander si chez lui, l'amour n'est pas l'esprit, en tout esprit. Un esprit qui en abîme renverrait à Dieu. Voilà. Mais pourtant, enfin, ce que dit Robert Maduri en l'occurrence, c'est que Jean Kelevitch reprend effectivement un vocabulaire qui pourrait être celui d'un théologien ou des pères de l'Église. Mais en un sens, il le reprend non pas pour le subvertir, mais peut-être pour lui donner une autre fonction, ou peut-être en élargir le sens, Clément Rosset. C'est se jouer de mots que de parler de morale laïque. Quand on pense à morale laïque, on peut penser à beaucoup de choses, beaucoup de noms, de moralistes, de philosophes, mais jamais à Jean Kelevitch. Et peut-être pour cette raison toute simple, outre celle que Isabelle a invoquée, il y a aussi celle que de toute manière, une philosophie qui est non seulement une morale, mais une philosophie entièrement fondée sur l'expérience indicible, il le dit assez, de l'amour, ne peut pas ne pas être soupçonnée, mais je n'ai aucun sens péjoratif à cela, de connivence avec un certain mysticisme, avec aussi des on a parlé de Saint François de Sales, on pourrait parler aussi peut-être de Saint Jean de la Croix et de gens de ce genre, qu'il citait d'ailleurs. Si je dois intervenir dans ce débat sur s'agit-il d'une morale laïque ou non, je commencerai par dire que le mot de laïcité se prend en plusieurs sens. Bonne technique aristotélicienne, commençons par regarder les concepts. Et un jour, Vladimir, me parlant de Kazantzakis, me dit que c'était un homme au-dessus des distinctions, c'est-à-dire ni du côté du christianisme grec, ni hors du christianisme grec, mais au-dessus des distinctions. On peut après tout penser que le mot de laïcité peut se prendre dans ce sens d'être au-dessus des distinctions religieuses. Parce que si vous essayez de classer Vladimir du côté ou du christianisme ou peut-être de la mystique russe ou peut-être un petit peu du côté des racidines, etc., etc., vous allez vous perdre en cherchant dans quelle case du labyrinthe vous pourriez bien poser cet esprit qui, au contraire, cherchait à s'élever et cherchait à comprendre l'autre. Et au fond, je pense que le plus grand compliment qu'on puisse faire à la laïcité, ça serait de dire que la morale de Vladimir Jean Kelevitch est bel et bien une morale laïque qui invente des valeurs. Pensez que tout de même, c'est bien la laïcité en France qui a inventé des valeurs comme la scolarisation des filles. Donc la laïcité, ça n'est pas un raplatissement, ça n'est pas le fait d'enlever son enchantement au monde, ça n'est pas d'expulser la mystique, c'est au contraire d'innover, d'inventer des valeurs un peu plus loin. Et de ce point de vue, Vladimir est indiscutablement un vrai laïc.
En ce sens de la laïcité, tout à fait d'accord. Je crois qu'il faut lui laisser, personne ne décidera jamais de ce qu'il en était. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que malgré tout, Jean Kelevitch ne serait pas non plus lui-même sans ses citations de Saint Jean et de Saint Luc, et sans ses citations d'auteurs religieux, et sans ses citations de la mystique russe et du hassidisme, comme vous disiez. Voilà, je crois qu'on ne peut pas décider. En tous les cas, sa philosophie n'est pas une philosophie inféodée à un dogme religieux. Voilà ce qu'on peut dire. Aucun dogme religieux. Et s'il y a un dieu, c'est tout de même plutôt le dieu de Plotin. En cours, il avait failli nous faire mourir de rire tous. 700 personnes dans l'amphi des cartes et on était pliés en deux. Et vraiment, il a failli y avoir des apoplexies. Quand Vladimir disait « Aïmi, Aïmi », comme dirait le dieu de Plotin, au fond, Dieu n'a que ça à dire, je suis, je suis. Et on a vraiment failli mourir de rire. Mais je crois que c'est ça. Il y a peut-être un dieu à l'horizon, mais la seule fonction de ce dieu, ça serait de dire « je suis, bon, et alors ?» Laissons-lui son mystère. Laissons-lui son mystère. Mais à quoi quand même, j'ajouterais que le dieu de Plotin n'est pas exactement, effectivement, transcendant. Le dieu de Plotin n'est pas au-delà du monde. Il s'identifie. En tout cas, la plupart des interprétations de Plotin plaident dans ce sens-là. Dieu, si j'ose dire, c'est la nature chez Plotin. C'est le monde, en tout non, cas. Non, pas vraiment. Ça, j'en sais rien. Non, mais à la limite, ça n'est même pas le problème. T'as pas plus de platonisien que ça, tout de même. Ouais. C'est l'un, mais ce qui est vrai, c'est que, de même que pour Aristote, il y a tout de même, dans cette présence cachée d'un dieu dont on parle comme s'il pouvait exister, mais tout en pensant qu'il n'existe pas, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aussi, il y a mille sources au Jean Kelevitch évidemment, il y a aussi tout de même une mystique juive, parce que dont vous ne trouvez pas. Mais curieusement, je ne le trouve pas non plus, mais je me demande, je me demande tout de même si le fait d'un dieu qui dit justement pas... je suis qui je suis, tu le sauras jamais sur le Sinaï. C'est pas quelque rapport avec aussi ce dieu qui ne se cache ou qui est même réfuté à force de se cacher chez Jean Kelevitch. Mais effectivement, je ne vois pas de très particulièrement judaïque dans la pensée de Jean Kelevitch. Je n'en discerne pas, je suis tout à fait de votre avis. Aujourd'hui, ça a été une sorte de défi à la nostalgie et au labyrinthe de la nostalgie. Cette distance terrible de la nostalgie qui est le jamais plus, le nevermore, dont il a lui-même si bien parlé. La nostalgie, c'est un sentiment essentiellement humain. Et s'il est aujourd'hui comprimé, réprimé, inexistant, c'est peut-être parce qu'on fabrique un nouveau type d'homme, un robot, n'est-ce pas ? Un personnage qui n'a rien de poétique. C'est un sentiment d'abord tout à fait insaisissable, parce que d'abord il est, comme disent les philosophe ambivalent, parce qu'il est double, il est doux amer, à la fois doux et amer, les deux ensemble. Doux parce que... Doux, pourquoi doux? Parce que la nostalgie représente une victoire sur le temps, n'est-ce pas? Elle nous transporte dans le passé qui est irréversible, irrévocable, que jamais je ne revivrai. Je le revis un peu par la nostalgie, j'en saisis la saveur, et par conséquent, dans cette mesure, le temps est un peu vaincu. Mais d'autre part, cette nostalgie est amère en même temps que douce, parce que ce que la nostalgie me restitue, ce n'est pas le passé lui-même, mais c'est un fantôme du passé, c'est un songe. Donc ce passé a un caractère onirique, comme disent encore les philosophes, c'est un rêve. Es war ein Traum, c'était un rêve, comme dans le poème de Heine, qui regrette sa patrie, je ne sais pas pourquoi il la regrette d'ailleurs, mais il l'a regretté. Présence lointaine de Vladimir Jean Kelevitch.